Aujourd'hui les amis, on est sur Brookhaven RP et je vais créer un Brookhaven Bacon. Mais juste avant ça, like et abonne-toi si tu apparais sur la liste. Allez, je te laisse 3 secondes pour t'abonner. 3, 2, 1, merci. Darkito, est-ce que tu connais Monsieur Bacon? Tu connais ou pas? Mais qu'est-ce que t'es en train de me raconter? C'est quoi un bacon, monsieur? C'est quoi ça? Bah attends 2 secondes, je te laisse et tu vas le rencontrer. Et comme ça, tu vas même pouvoir créer un Brookhaven sur lui. Regarde, il est juste là, il est ici. Mais, Monsieur Bacon, mais... Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Et pourquoi t'es dans l'eau, Monsieur Bacon? Ah ouais, c'est vrai, il parle pas. Bah en fait c'est ça, regarde Darkito, c'est un bacon lui. Mais pourquoi tu l'appelles Monsieur Bacon? Genre, je comprends pas, tu peux m'expliquer, Mini Darkito? Bah c'est parce qu'il a les cheveux en bacon. Et on l'appelle Monsieur Bacon. Bon allez, je te laisse créer un Brookhaven sur lui. Mais en attendant, je vais faire un petit barbecue. Bon bah Monsieur Bacon, j'ai créé un Brookhaven sur toi. Non mais c'est vraiment n'importe quoi, j'avais déjà créé un Brookhaven de noob, maintenant je suis obligé de créer un Brookhaven de bacon. Mais c'est quoi cette histoire? Allez, on va prendre l'ordinateur. Et du coup, c'est parti les amis. Oh là là, non mais c'est vraiment n'importe quoi. Monsieur Bacon, ne bouge pas, il faut vraiment que je crée un Brookhaven sur toi. Allez, c'est parti. Bon les amis, c'est parti, on est sur l'éditeur de Brookhaven. Et on va commencer par changer juste ici la fontaine. Et on va mettre un géant bacon qui est très triste. Voilà, je crois qu'il est triste, regardez. On va le mettre vraiment géant. Et il est vraiment triste. On va rajouter juste ici un petit shop avec un Monsieur Bacon. Et on va afficher de partout en ville que Monsieur Bacon est recherché, les amis. Voilà, on va en mettre vraiment partout des affiches. Et il y a aussi sa femme qui est recherchée, donc on va mettre des affiches de sa femme. Voilà, comme ça, elle est vraiment recherchée aussi. Non mais c'est quoi ce truc? Non mais... Attendez, je viens de trouver un truc qui... Mais c'est quoi? On m'a dit qu'il fallait que j'enlève les arbres et que je mette cela à la place. Attendez, c'est des arbres avec les cheveux de bacon. Oh non, c'est vraiment n'importe quoi les amis. Vous savez quoi, on va remplacer tous les arbres de Brookhaven par ce truc là. Oh, j'ai vraiment peur du résultat les amis. Ça me fait vraiment peur. Non mais on va pas pouvoir changer tous les arbres quand même. Ça va me prendre un tout fou de faire ça. Oh regardez, c'est le drapeau de Monsieur Bacon. Ok, on va en mettre plein les amis. On va en mettre vraiment de partout. Attendez, c'est quoi ça? C'est quoi ce truc? La Bacon Army? Non. Ne me dites pas que je vais pouvoir mettre une armée de bacon. Bon, bah, vous savez quoi? On va en mettre vraiment, vraiment beaucoup. Bon, voilà, là, il y a vraiment une armée. Par contre, ils sont gentils, vous pensez, les... Non, peut-être qu'ils sont vraiment méchants. On va rajouter l'objet le plus cher de Brookhaven. Voilà, je sais pas si on pourra l'acheter. Et on va peupler Brookhaven de plein de personnages bacon. Oh non, c'est n'importe quoi. On va rajouter quelqu'un qui demande de venir dans son truc de pizza. Et on va mettre un grand secret dans l'hôpital. Et j'ai même rajouté une petite surprise derrière l'hôpital. Vous verrez ce que c'est. Bon, et apparemment, ça ce serait une voiture aux cheveux de bacon. Bon, vous savez quoi les amis? On est prêt à essayer ce Brookhaven. Vraiment bizarre. Ok les amis, et donc c'est parti, je suis dans le Brookhaven Bacon. Non mais c'est vraiment n'importe quoi, regardez, il est trop triste le bacon. Oh, bon attendez, je vais quand même lui faire un petit câlin au bacon, j'espère qu'il va mieux aller. Ok Monsieur Bacon, j'espère que tu vas bien. Par contre, je suis un peu trop petit pour te faire un câlin. Tu sais quoi, je vais essayer de monter sur tes cheveux. Oh non, je peux pas monter sur ses cheveux, il est... Ah oui, je peux. Oh attendez. Et voilà, je suis sur Monsieur Bacon. C'est vraiment n'importe quoi les amis. Bon allez, vous savez quoi? On va aller directement à la police et on va voir ce qui se passe. Déjà, on peut voir que, oh là là, Madame Bacon est recherchée et elle a 16 ans. Elle a les cheveux bleus. Elle est pas blonde. Je suis désolé, mais elle est pas blonde. Elle est Bacon. Et Monsieur Bacon, il a... Oh, il a pareil, 16 ans. Là, il est blond. Il a les cheveux blonds. Non mais c'est quoi? Non mais c'est une blague, ces avis de recherche. Bon, en tout cas, bonjour. Oh là là, mais c'est vraiment n'importe quoi ici. Il y a un bacon policier, et là, il y en a un en prison. Non, mais franchement, les pauvres, franchement, je les plains, celui qui est en prison, le pauvre. Je vais t'ouvrir, je vais te libérer. Oh, oh bah attends, je clique, mais je peux pas te libérer. Tant pis pour toi, tu vas rester ici. Bon, les amis, on va aller prendre la voiture bacon. Ok, elle est juste ici. Oh là là, mais ça veut dire qu'elle marche. Mais elle marche vraiment, attendez. Attendez, elle marche vraiment, la voiture bacon, c'est n'importe quoi. C'est vraiment trop drôle. Attendez, je vais juste aller voir au niveau du shop de Monsieur Bacon. Bonjour Monsieur Bacon. Oh là là, il y a un shop et ici il y a marqué... Oh, regardez, c'est l'objet le plus cher de Brookhaven. C'est vraiment l'objet le plus cher. Il a l'air vraiment super incroyable. Est-ce que vous pensez qu'on peut l'acheter sur Brookhaven? Ce serait incroyable si on peut l'acheter. Oh, imaginez un jour je fais une vidéo, je sais pas moi, comment se transformer en Monsieur Bacon. Est-ce que vous la voulez cette vidéo? Oh, faut me le dire. Bon, en tout cas, ici, il se passe pas grand-chose. Oh, la voiture, elle a...
Elle est passée où la voiture? La voiture de... Oh non, j'ai perdu la voiture de Monsieur Bacon. Bon, avant d'aller à l'hôpital, parce que ce sera la dernière chose qu'on va faire, on va quand même aller voir l'armée de Monsieur Bacon. Oh là là. D'ailleurs, on l'appelle Monsieur Bacon ou juste Bacon tout court? Bon, on va l'appeler Monsieur Bacon, c'est quand même mieux. C'est quand même plus rigolo. Bon, l'armée... Oh là là, par contre, ils me font peur quand même avec leur drapeau et tout. Vous voyez, ils ont quand même le drapeau de l'armée. Et ici, bon bah ils ont l'air gentils, on peut passer à travers eux. Oh regardez, je peux passer à l'intérieur de l'armée. Non mais c'est vraiment n'importe quoi cette armée de Bacon. Vous imaginez un jour, ils envahissent Brookhaven? Franchement, j'espère pas parce que ils ont l'air plutôt gentils quand même pour le moment. Enfin, juste pour le moment quoi. Bon, on va quand même aller voir au restaurant parce que je crois que j'ai mis un petit truc quand même au restaurant. Je crois qu'il y a un Bacon qui tient une pizza ou un panneau pour manger une pizza. Voilà, mais lui il est gentil. Vous voyez, ça c'est un gentil Bacon. Super sympa celui-là. Bon, je sais que vous attendez qu'on aille à l'hôpital et vous savez quoi, on va y aller tout de suite. Oh, il est toujours aussi triste ce Bacon. D'ailleurs, les arbres en cheveux de Bacon, c'est vraiment, vraiment bizarre quand même. Bon, c'est pas grave, on va quand même aller à l'hôpital. Voilà, c'est parti, j'arrive à l'hôpital. Voilà, les amis, j'espère vraiment qu'il y a le truc que j'ai mis. On va passer par ici directement, ça ira plus vite pour y aller. Et là, normalement, il y a un truc. Oh là là, monsieur. Oh non. Oh non, c'était ce truc-là, donc c'est moi, ça y est, je suis un monsieur Bacon aussi. Oh non, je suis un monsieur Bacon, les amis, regardez, j'ai les cheveux vraiment bizarres. Oh non, j'aime pas du tout, en fait. J'aime pas du tout. Oui, c'est vrai que j'ai mis tout ça derrière. C'était la surprise, je voulais vous la faire. Mais regardez-moi tout ça, on peut se transformer en n'importe qui. Par exemple, je sais pas, moi, je vais me transformer en guest. C'est qui ça encore? Oh non, il est vraiment bizarre, celui-là. C'est vraiment bizarre, ce personnage. Ensuite, c'est qui, lui? Monsieur K. Ok, il est sympa, lui, il a l'air cool. Lui, c'est quoi? Serfébot, c'est quoi ça? Oh non, mais ça fait vraiment peur ces trucs là. Oh là là, là Monsieur Bacon, Monsieur Bacon pas très content. Ça c'est Madame Bacon. Oh elle est bizarre. En fait j'ai l'impression que c'est plein de personnages de toute la famille Bacon. Oh là là, ici c'est le père. Regardez le père avec la barbe. Et là c'est quoi? C'est un bandit lui. C'est un bandit Bacon. Et oh là là, mais c'est vraiment bizarre. Moi je préférais le normal en fait. On va se remettre en mode normal. Et oh là là, mais c'est vraiment... Ça me fait vraiment peur, moi. Allez, hop là. Je préférais quand même mon Brookhaven de noob. Je sais pas vous, mais... Vraiment trop bizarre. Bon, les amis, je pense qu'il est temps de mettre une note. En tout cas, j'espère que vous allez tous mettre 10 sur 10. Enfin, je sais pas. Peut-être que Monsieur Bacon, il va mettre 10 sur 10 aussi. Allez, les amis, c'est parti. On retourne dans Brookhaven. Et voilà. Alors, Mini Darkito, t'es toujours en train de faire le barbecue? Qu'est-ce que t'en as pensé? Oh non, il y a Monsieur Bacon qui arrive derrière. Mais qu'est-ce qui... 0 sur 10? Mais il est sérieux? Non mais Monsieur Bacon, non mais... Il... Mini Darkito, il a mis 0 sur 10? Il est vraiment trop drôle. T'inquiète pas, c'est normal, c'est un Bacon. Normalement, les Bacon, je sais pas, sont un peu bizarres quand même. Bon allez, Monsieur Bacon, tu peux t'en aller. Mais franchement, et par où il va? Oh non. Oh non, qu'est-ce qui s'est passé pour Monsieur Bacon? Monsieur Bacon, Monsieur Bacon! Oh non, non, j'ai envie d'aller voir. Je descends, faut vraiment faire attention, faut pas tomber. Hop là. Monsieur Bacon, monsieur... Oh non, Monsieur Bacon. Bon, et vous les amis, dans les commentaires, combien est-ce que vous mettez sur 10? Et n'hésitez surtout pas à liker et à vous abonner et à regarder d'autres vidéos. En attendant, je sais pas où ils sont passés les deux. J'espère qu'ils vont bien.